Bonsoir, bienvenue pour euh, cette nouvelle chronique de Morissette. Aujourd'hui, je reçois euh, Enola Cluzot qui va nous parler des quatre saisons du crime, voilà, parues euh, aux éditions Les Livres du Hérisson, sa maison d'édition. Euh, Enola, bonjour. Alors, on te décrit tour à tour acteur, auteur, réalisateur, scénariste. Euh, Est-ce qu'il manque quelque chose ben Non, mais dans le cadre actuel, là, c'est quand même, euh, je suis là comme auteur. Et puis, euh, éditeur, oui, parce que c'est moi qui l'édite à travers les livres du Risson, une maison d'édition que j'ai créée en 1988 donc, et qui m'a servi souvent euh, à publier des choses que personne ne voulait. Est-ce que tu peux nous, nous parler de la genèse des quatre saisons du crime euh, voilà c'est un petit peu particulier en fait, euh, c'est parti euh, de concours de nouvelles et puis euh, t'hésitais entre le roman et la nouvelle euh, Non, non, j'hésitais pas entre le roman et la nouvelle, non, c'est qu'en fait j'étais en train d'écrire un roman, mais euh, je me suis aussi mis, enfin j'étais aussi en train d'écrire un, un film, une série et bon, euh, c est, c est, je confondais les histoires, enfin ça allait plus, quoi, il fallait que j'arrête donc j'ai mis euh, le roman de côté je me suis consacré au film et le film avait ses personnages, parce que c'est un peu donc je me suis dit tiens en même temps euh, je les ai mis en main donc mais pour ne pas abandonner la littérature que je venais de reprendre depuis quelques années, je me suis dit tiens bah, je vais faire euh, je vais, j'ai vais, trouvé des concours de nouvelles, il y en a des, des centaines sur internet, donc allais, je m'étais dit je vais en faire un par mois, euh, avec les mêmes, euh, avec souvent des, des thèmes imposé donc c'est intéressant ça motive à, à trouver des histoires et l'idée c'était d'en faire un par mois de trouver une date en fin de mois parce que comme ça ça me laissait le mois pour l'écrire et puis à chaque fois c'est les mêmes personnages donc c'est pour ça que c'est un petit peu donc à la fin quand j'en ai écrit une quinzaine J'en ai rajouté une pour inédite, pour ouvrir le recueil, et une inédite pour le fermer. Et l'idée, c'était de, de faire en sorte que c'était comme si c'était un roman, avec chaque nouvelle comme chapitre. C'est pour ça que ça s'appelle les quatre saisons, parce qu'il y en a une par mois, donc janvier, février, jusqu'à décembre. Et en fait, on commence avec une fête de fin d'année d'un côté et on finit avec une fête de fin d'année de l'autre. Et, et le fil conducteur, c'est l'histoire d'une voiture. Donc je pense que tu as dû t'en apercevoir. Ça fait ju justement l'objet de ma question, mais qui va venir plus tard. <laughs> euh, Est-ce que tu peux nous, nous présenter donc ton personnage du commissaire Déjac et sa fine équipe euh, Le commissaire Déjac, c'est un personnage en couleur qui est un petit peu voilà l'esprit en fusion et euh, toujours une idée euh, qui arrive comme ça, euh, comme un cheveu sous la soupe. Il a un esprit assez euh, guisé. Déjà, c'est un commandant, hein, c'est pas un commissaire. C'est pas le même grade, c'est un peu en dessous, mais euh, c'est un choix. Et euh, oui, mais surtout, euh, c'est quelqu'un d'assez malin parce qu'il se repose quand même beaucoup sur ses, ses comment dire, ses, ses acolytes, son équipe, son groupe, parce que c'est, il est commandant du groupe crime de Nantes et il a quatre personnes qui travaillent avec lui, dont un de ses, ses un de ses amis de long, très longue date, puisqu'ils ont fait l'armée ensemble dans, dans les années 80 et l'idée c'était que chacun ait une personnalité forte et, et comment dire ce personnage euh, il est un petit peu il se laisse un peu aller mais en même temps il supporte pas l'échec donc c'est un peu euh, moi je trouvais ça intéressant de lui donner comme ça euh, puis il a une fêlure c'est la disparition de sa femme qui est décédée d'un cancer donc ça ça a quelque chose qui le hante et, euh, mais euh, euh, je pense qu'à chaque histoire, il essaye de trouver. Euh... Alors, il y a des histoires qui sont proches de lui parce que c'est des souvenirs d'enfance. Enfin, qu'il les résout avec des souvenirs d'enfance. Et puis d'autres, c'est plutôt euh, un peu de l'opportunisme. Et il se sert un peu de ses collègues pour avoir la, la, la bonne idée à la fin et qui va faire qu'il va résoudre l'enquête. Il y a une héroïne aussi dans, dans ce roman c'est une automobile. Voilà. Donc la fameuse. Opel Manta euh, qui se trouve euh, sur la couverture, j'imagine. Euh, alors je, je, je te savais passionné par euh, le vélo, mais finalement je te découvre aussi passionné par, euh, par les voitures. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'avoir ce, ce lien euh, automobile automobilestique C'est pas facile à dire. Je me suis entraînée, mais euh... en fait pas vraiment un choix ça faisait partie du personnage moi dans le dans, dans le film parce que comme ces personnages sont aussi les, les personnages du film il roulait euh, je l'avais fait rouler dans une vieille Ford euh, dans une vieille Ford que qu'un qu ami d'ailleurs a ah, et on avait tourné un on a tourné une bande une fausse bande annonce où justement euh, on la voit la, la fameuse Ford Ford vedette de 53 et l'idée c'était euh, je suis resté là dessus je me suis dit, tiens pourquoi il collectionnerait pas euh, bah, sans être un grand collectionneur, parce que c'est quand même un commandant de police, mais il récupère comme ça des voitures, soit qu'on lui donne, ce qui est le cas dans, dans une des histoires, une 403, soit euh, du truc qui est pas cher et puis il met des années pour les rénover, quoi, comme souvent les collectionneurs. Quoi. Alors, moi, ce qui me concerne, c'est que moi j'ai eu des voitures anciennes parce que j'étais mécanicien à la base, comme disent les jeunes, et mais en fait j'ai toujours été fasciné par tout ce qui est mécanique. J'ai commencé les vélos, après ça a été les motos, après ça a été les autos et j'ai travailler dans l'industriel, dans, dans plein de mécaniques, donc c'est même le, la petite mécanique parce que je, des fois je m'amuse à démonter des choses, genre des montres ou des choses comme ça. J'arrive pas forcément à les remonter, mais c'est vrai, ça me fascine. La mécanique, je trouve ça assez intéressant, c'est assez logique. Alors pour quelqu'un comme moi qui est assez dans les dans les vapes, on va dire, ça me ramène un peu à la réalité. On voit que tu étais quelqu'un de passionné et d'intéressé par le polar. Est-ce que voilà, c'est des informations que tu que tu as que tu tire de, de tes connaissances personnelles ou est-ce que tu voilà euh, tu fais appel à des professionnels euh, de la police ou est-ce que tu documentes beaucoup pour l'instant ça a été beaucoup de documentation déjà euh, les, les, beaucoup de documentaires de, de, de policiers mais de policiers et, euh, on n'apprend pas vraiment grand chose dans les policiers parce que euh, tu vas bien t'en lis toi aussi euh, hein, c'est c'est souvent euh, ce qui est normal, hein. on est plus dans la fiction, mais beaucoup de livres euh, écrits par des, des policiers, des gendarmes, des, des juges, des avocats, je trouve ça intéressant parce que là, et pour le coup, il y, y a vraiment euh, le fonctionnement de la justice, enfin de la police et de la justice. Quoi. Après, moi, j'ai connu quelqu'un qui était dans la police scientifique, donc euh, ça m'a permis de visiter un laboratoire de, de la police scientifique, donc c'était ouais, bah, extraordinaire. J'ai euh, j'ai vu que le crime parfait était très compliqué. Quoi. Et puis euh, et la, un peu aussi des renseignements et avoir bah, sur des tournages en tant que comédien je me suis retrouvé des fois à tourner avec des, des vrais policiers qui étaient là euh, pour euh, conseiller technique donc ça m'a permis de pas mal discuter euh, la bac euh, criminels ou des choses comme ça donc bah j'ai pris mon petit carnet puis <laughs> j'ai pris plein de notes quoi et mais je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc là, je remplis aussi un carnet et je vais rencontrer quelqu'un qu'on connaît tous les deux, qui est policier, et qui m'a dit Tu vas voir, je vais t'apprendre des choses bon, bah, voilà. Donc le roman que je suis en train d'écrire, toujours avec le commandant Déjac, sera encore... Après, je ne veux pas non plus être dans une espèce de justesse clinique. De, de police-justice. Je veux quand même rester un peu dans le, dans le côté fiction. C'est ça qui m'intéresse plus. S'il y a une petite erreur, euh, c'est pas très grave. Quoi. Je, 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 je préfère privilégier vraiment euh, l'histoire, l'écriture, le, les personnages plutôt que bon, euh, des. Euh, il a, a eu re, un retour d'ADN en, en 12 heures, alors que normalement, c'est beaucoup plus, quoi. Ouais, des choses comme ça. Je crois que ce n'est pas très grave non plus. Le, le lecteur, euh, il n'est pas... Euh, à moins que ce soit un policier. Et cette appétence pour, pour le polar, elle te vient d'où en fait, ce que j'aime bien, c'est les, les enquêtes. J'adore Doctor House. Alors que j'étais pas du tout série euh, hôpital, là, ça, ça me saoulait, quoi. mais lui, euh, il fait des enquêtes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui a un truc bizarre, et il faut absolument qu'il trouve ce que c'est. Et j'adore. D'ailleurs, j'ai appris énormément de trucs sur la médecine euh, grâce à cette série qui était vachement bien faite. Hein. Et puis le personnage était tellement extraordinaire. Quoi. Donc c'est plutôt ça qui me fascine, euh, le fait de résoudre une enquête. Plutôt que que le policier par lui-même. Bon, Après, ce qui est intéressant, c'est que ce... je me... les gens qu'enquêtent, en principe, c'est souvent les policiers. C'est pour ça que ça ramène aux policiers, mais euh, ça pourrait être, euh, être bah, quelqu'un d'autre euh, qui, qui ferait des enquêtes sur quelque chose d'autre. J'aimais bien aussi la série X-Files, parce qu'eux, ils enquêtaient, mais sur des choses paranormales. Quoi, donc, et... bon, une autre époque, mais je trouve ça génial. Quoi, et pouvoir mixer ça avec d'autres... Euh... Avec d'autres histoires, je trouve ça hyper intéressant quoi. Faire un mix de plusieurs trucs, c'est un peu ce que j'écris avec euh, que j'ai écrit avec la, la série que j'aimerais faire là. C'est un peu ça quoi. C'est milieu polaire, un peu sur euh, des trucs un peu surréalistes, enfin des trucs un peu bizarres, mais on reste quand même ancré dans le réel. Donc euh, donc ouais, maintenant, il faut trouver euh, de la production pour euh, pour ça, mais on aura peut-être un jour, euh, j'espère, euh, le commandant déjà que euh, sur un écran quoi. Alors si on veut se procurer euh, les quatre saisons du crime, comment comment fait-on Pour l'instant, euh, la seule solution euh, c'est de le commander euh, par email et puis euh, voilà. Euh moi, je vous réponds, je vous dis, je dis comment le, le, se le procurer. En attendant qu'il soit dans des librairies, ce que je suis en train de négocier, parce que c'est pas encore... Euh, ça, ça sera, je pense, euh, au mois de novembre. Il y a deux, trois librairies qui devraient le prendre en dépôt sur Nantes. Euh, autrement, non. Alors, par de temps en temps, je fais des opérations rencontres dédicaces, donc on peut se procurer comme ça. Mais il faut me suivre sur, euh, sur Facebook. <laughs> ça, ça, j'aime bien faire ça, rencontre dédicaces comme ça. On se met autour d'une table, on discute, et puis euh, ça permet mais oui, bon, bientôt dans, dans quelques librairies, puis autrement, via l'email que tu donneras à la fin de, <laughs> de cet entretien. Euh, voilà, je voulais quand même souligner voilà, que la, la couverture a été euh, dessinée par uh, Oli donc euh, une dessinatrice nantaise que tous les nantais connaissent, sur ta demande. Voilà. Et, et puis, bah, Inouella, bah, je te remercie de, beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Et puis, bah, écoute, on, on attend le prochain roman avec... Euh le commandant des Jacques. <laughs> merci, Enola. Ben merci. Et puis, ben ouais, je, vais, je vais retourner sur ma table de travail pour continuer le roman qui, j'espère, sera prêt au printemps.